la Toussaint, c'est la tradition, on s'offre des chrysanthèmes. Perso, mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère adore ça. Et pourquoi elle aime ça? Bah ça, elle me l'a pas dit, mais c'est sûrement parce que c'est une superbe plante décorative. Pour entretenir les chrysanthèmes, il faut un peu d'imagination. Vous allez voir, c'est simple. Un arrosoir, un local pour les garder l'hiver, si vous les gardez l'hiver, et un sécateur ou une paire de ciseaux. Le chrysanthème est une plante vivace, ça veut dire qu'elle peut repousser après l'hiver, mais à condition de ne pas prendre froid pendant cette période de grand glug. Si nous prenions le temps de les rentrer, comme les géraniums ou les lauriers roses, dans une pièce hors gel, vous pourriez les faire repousser chaque année. Bon, mais comme vous allez sûrement oublier de les arroser, contentons-nous de l'entretien à l'automne. Justement, il faut les arroser régulièrement, surtout s'il fait chaud. Le terreau du pot doit toujours rester humide. Coupez les fleurs dès qu'elles sont fanées, il sera capable d'en refaire encore, encore et encore. Les chrysanthèmes n'ont pas besoin d'engrais, sauf si vous avez décidé de les garder pour l'an prochain. Et si jamais elles ne passent pas l'hiver, jetez la plante au compost et récupérez le pot. Mais on jette quand c'est fané, pas avant, ben non, c'est dommage. Et savez-vous que les Japonais adorent cette fleur? Il paraît même que le rond rouge de leur drapeau symbolise une fleur de chrysanthème. Oh, vive les chrysanthèmes!